Eh bien le bonjour à tous mes amours, c'est la traqueuse. Aujourd'hui, petite vidéo fort sympathique parce que là j'étais vraiment pressée de vous la faire celle-ci parce que j'ai rentré énormément de choses assez folles honnêtement, donc je suis vraiment trop pressée de vous les montrer, donc c'est parti, on let's go, c'est parti. Alors en premier, je vais vous montrer des choses que j'ai eues dans une petite boutique. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo où on a passé la journée avec Sony Adventure, Cyril 2.0 et le Name Cocho, je vous invite à aller voir ces vidéos, c'était fort plaisant. Donc dans la petite boutique de Pro Destock qui se trouve à Conches, j'ai pu avoir de très belles choses. J'avoue, je suis extrêmement contente. Voilà, donc première petite chose, un petit Reader SD. Donc ça c'est, en fait je vous explique, c'est pour lire tout ce qui est musique, et je crois même qu'on peut les films, il me semble, voilà, les petits films. Pourquoi pas, ça peut être vraiment très cool. D'ailleurs dans la vidéo, Cyril en a offert un à Nemco, donc voilà, trop cool, donc d'en retrouver un pour moi. Je suis vraiment contente, là, je l'ai eu à 5€ au lieu de 5,90€, parce que la dame est extrêmement gentille, elle me l'a fait à 5. Ensuite un petit lot, alors là c'est du loose. En général je prends pas trop les CD en loose, mais quand c'est des petits jeux que je voulais vraiment tester, bah je prends. Donc nous avons un petit Darkstone, avec la petite jaquette avant, donc le CD, d'accord, et la jaquette avant. J'ai testé ce jeu, j'ai envie de mourir, j'ai envie de me tuer 3 fois. En vrai, c'est un énorme RPG, mais le début déjà tu sais pas trop où aller, en gros en limite on te lâche dans le jeu et tu te démerdes, voilà. Donc franchement je suis un peu mitigée sur celui-ci, c'était pour tester, donc voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires sur ce jeu à me dire s'il vous a plu et si vous avez pu avancer dans l'aventure. Deuxième jeu, alors là pas mécontente honnêtement parce que bon, c'est un des meilleurs jeux de combat de la PS1 je trouve personnellement, c'est le Bloody Roar 2. Petit Bloody Roar 2, vraiment très contente de l'avoir celui-ci. Elle était un peu défoncée le jeu mais honnêtement ça passe. Ça passe grave et vous savez c'est les fameux personnages où vous pouvez vous transformer en animal. Donc voilà, bon, le meilleur on est d'accord c'est le tigre et le lapin, hein. Il n'y a même pas à chercher. Alors là c'était trop bien, donc dans ce petit lot de 3 jeux en loose, j'ai eu le Vagrant Story. Voilà, je les ai mis dans des petites boîtes, voilà comme ça, le temps de trouver, de les compléter. Donc le Vagrant Story, j'ai testé, franchement ça va, la qualité évidemment ça laisse à désirer mais... C'est un beau RPG, je l'ai déjà un petit peu commencé, voilà, je les ai tous un peu commencé en soi, et j'ai trouvé ça pas trop mal, donc je suis très contente de les avoir. Ce petit lot-là, je l'ai eu pour 10€, je trouve pas ça cher, parce que les jeux de base sont très chers. Donc, voilà, toujours dans la même boutique. Alors là, on a eu 4 jeux PS2, et pas des moindres pour ma part. Donc nous avons le petit Dark Chronicle que je suis en train de faire qui est excellent, j'arrête pas de jouer le jeu, il est trop bien. Parce qu'en fait c'est un jeu vraiment à niveau, là à un moment je suis dans les souterrains et c'est plein de niveaux à faire. Donc faut tuer tous les monstres dans le niveau, récupérer tous les artefacts, tout ça, vous pouvez améliorer vos armes. Je crois que vous avez aussi des petites sphères pour améliorer aussi vos armures et les armes également. Mais c'est trop bien, franchement j'ai grave kiffé, l'histoire est vraiment trop mimi. Et je kiffe énormément, c'est un jeu que, à la jaquette, je me suis dit putain c'est trop beau, et j'ai réussi à l'avoir. Celui-là je l'ai eu pour 24 balles, parce que j'ai revendu des choses aussi dans cette boutique, et donc du coup j'ai pu me le prendre. Ensuite nous avons la petite trilogie des Seigneurs Anneaux. Alors, celui-ci, comment vous dire, que j'ai joué 10 minutes, j'ai réussi à tenir 10 minutes, avant de me dire mais c'est... Ah là là, horrible, j'ai failli m'endormir 3 fois sur 10 minutes. En fait, ce jeu-là, si vous voulez, c'est par rapport au livre de Tolkien. Et non pas au film, parce qu'en plus, il n'y a pas les voix, et il n'y a pas voilà, les voix du film, tout ça, ils n'ont pas eu encore les droits à ce moment-là, je pense, pour le premier opus. Et il est horrible, le début, franchement, t'as envie de dormir, c'est tellement lent, t'as des quêtes à aller d'un bout à l'autre et tout. Mon dieu, j'ai arrêté tout de suite, ça m'a saoulé. Ouh là là, ça m'a saoulé. Du coup, je suis passée directement au numéro 2 qui est quand même bien plus plaisant. Et on commence le multi sur celui-ci. Et pareil pour le... Oups là, pour le 3. Non, le 2 et le 3. Vous avez compris, hein. Là, pour la trilogie, j'en ai eu pour 10 balles, un truc comme ça. Je trouve aussi pas super cher parce que c'est vraiment de très bons jeux. Sauf le premier. C'est une catastrophe.
J'ai eu dans un petit colis Vinted, alors j'ai voulu me lancer ce que j'avais un peu dans mon porte-monnaie. Et je dis vas-y, je vais tenter, c'est la première fois que j'ai commandé avec le porte-monnaie. Alors j'ai juste pris deux petits jeux très très sympas. Je crois que j'en ai eu pour en gros 5€ sans frais de port. Voilà, le petit Lego Adventure et le Zeo Resort 3D. Alors je me suis renseignée sur celui-là, pardon. il est pas trop mal, il est pas mal bien foutu. Moi j'aime beaucoup les jeux de gestion et puis avec les animaux, bon c'est un peu mon petit passe-temps, voyez-vous. Donc j'ai dit vas-y YOLO, même si c'est pas non plus d'une qualité extrême. Mais vraiment très très cool quoi. Donc petite gestion de jeux zoo, très sympa. Et puis bah, les jeux Lego c'est toujours les meilleurs. Ça c'est vraiment le jeu, tu te poses dans ton lit là, tranquillou, et tu joues au Lego et c'est genre pas prise de tête et c'est trop bien quoi. Donc vraiment très très contente de posséder ces deux petits opus. Et je les ai eu du coup pour 5€, ouais, frais de port, j'en ai eu pour 6,50, un truc comme ça. Voilà, alors là j'étais dans une boutique à Louviers, la boutique, c'est quoi, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est Jeux Console ou un truc comme ça. Donc je l'ai eu à Louviers, c'est le Cave Story 3D. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, et quand j'ai lancé le jeu j'ai fait « Wow, la musique elle est trop bien, je la connais !» Mais en fait je connaissais bien la musique mais pas le petit jeu, et c'est vraiment une musique vraiment épique, le jeu est pas trop trop mal. Mais je m'attendais pas à voir en fait un jeu de cette qualité en fait quand tu vois la jaquette. Et il est pas mal, hein. C'est un petit jeu indé. Voilà, c'est un petit jeu indé et c'est vraiment très très cool de le posséder. Celui-là je l'ai eu à 12 balles. Alors ça me paraît très peu cher pour un jeu indé sur 3DS. Parce que je sais que là, les jeux indés, quand tu les mets sur une console en physique, ça devient très très cher. Nous avons de la Game Boy Advance en boîte. Ouais, voilà, ça y est, j'ai passé le pas, j'ai acheté de la Game Boy Advance sur Vinted aussi également. Donc déjà, pour vous montrer un petit jeu sous blister. Voilà, donc c'est, alors c'est quoi déjà? C'est la somme de toutes les peurs. Donc ça, je ne connais pas du tout. Je connais pas du tout et ça vient d'un film, tout simplement, que je n'ai pas vu. Je l'ai pris parce qu'il était pas cher, je crois qu'il était à 5 balles, sous blister et tout, je me suis dit ça va être bien pour ma petite collection. Elle est vraiment très propre, bon il faut juste enlever l'étiquette là qui sert à rien, mais honnêtement je suis vraiment très très contente, c'est très très propre et ça fait plaisir. Franchement ça a l'air sympa en plus comme jeu. Faudrait que je teste quand même. Hein. Bon, pas celui-là, mais en ému. Hein. Ensuite, on a une petite tripotée de jeux. Tripotée. Là, c'est... Oh là là. Donc nous avons le petit Bionicle Heroes. Je l'ai trouvé très beau, à la jaquette. Et puis derrière, je trouvais ça super bien foutu. Voilà. Donc, petit Bionicle qui est totalement complet. Nous avons un petit Duel Master qui est totalement défoncé. Mais ce n'est pas grave, quand je vais vous dire le prix, vous allez dire « Oh, bah, c'est pas grave !» Le petit Rasbitum resté branché. Pareil, un peu défoncé. Mais honnêtement, ils sont tous complets. Hein. C'est ça qui est cool, c'est qu'ils sont tous complets. Et là, celui-là, je suis trop contente parce que c'est un jeu que j'adore sur toute plateforme. Toute plateforme, je kiffe. Le petit King Kong, The Official Game of the Movie. Pareil, il est complet, donc ça va au niveau de l'état. Genre, j'ai connu pire. Et pour le lot de tout cet Advance, sans compter celui sous blister, je crois que je l'ai payé 5€ le lot. C'est vraiment sans frais de port. Hein. Je vous dis sans frais de port. Donc en gros, ça tourne à 6€ ou 7€. Franchement, c'est pas cher pour des petits jeux d'Advance. Puis en plus, moi, voilà, j'adore, je kiffe. Donc c'est un peu ma vie. Donc je suis très très contente de posséder ça. On arrive à la fin. La grande fin. Le truc épique. Alors, dans un cache par chez moi, j'ai eu... Ah, vous l'avez peut-être vu comme ça, là. Vous le voyez, là? Vous savez ce que c'est, là? Vous savez ou pas? Nous avons les deux finales... Pas Final Fantasy! Fantasy Star, allô? Le Fantasy Star Universe. Donc, voilà, le premier. Donc... Ce n'est pas des exclus jeux en ligne, hein, d'accord, il n'y a que ceux sur PS4 qui sont en ligne, que en ligne. Là, vous pouvez faire la partie en mode solo hein, également, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est vraiment très très cool, j'ai bien aimé ceux sur PSP, c'est pour ça que je me suis permise de les prendre sur PS2 pour les découvrir, puis ça fait... on les voit pas souvent, donc c'est vraiment très très cool. Et donc voilà, je suis trop contente de posséder le premier, enfin ça c'est le premier opus Universe. Je ne sais pas s'il y en a d'autres hein, sur PS2. Bah du coup, il y a eu le deuxième, et c'est Phantasy Star Universe Ambition of the Illuminous. Voilà, Illuminous. Je suis contente, parce que pareil, celui-là, je ne le connais pas. Alors, l'autre, je le connaissais un petit peu, voilà, de vue, mais celui-ci, pas du tout. Et pareil, hein, vous pouvez le faire en jeu solo, il n'y a pas de problème. Mais ça a l'air vraiment, vraiment kiffant. Le jeu était défoncé, et honnêtement, il passe. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, hein, c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, donc ça je ne connaissais pas, donc dites-moi plus dans les commentaires hein, si vous en savez beaucoup plus que moi, et ça en est même très très sûr.
Ces deux-là, en gros, j'en ai eu pour 18€. Franchement, ça passe. C'est des très, très bons prix pour très bons jeux, donc moi, ça va. Alors, j'ai eu un énorme lot. J'avais eu un lot à 60€, je crois. C'était genre, il y avait une Wii, il y avait encore plein de jeux, plein d'accessoires, plein de manettes. Et dans ces jeux, il y en a une partie que du coup, j'ai fait l'échange avec la petite boutique Pro des stocks. Ça m'a fait bien plaisir, c'était vraiment très très cool. Comme ça, j'ai pu profiter à prendre, vous savez, le Seigneur des Anneaux, enfin bref, les autres jeux, quoi, tout simplement. Et... là, j'ai eu. Alors, dans le lot, j'en ai gardé quelques-uns. Et je pense que c'est pas des moindres. Hein. Déjà, le premier, je vous le montre direct. Je vous le montre direct parce que c'est impressionnant. Nous avons le petit Xenoblade Chronicle. Voilà, il est complet, il est en très bon état. Lui, j'ai vu ça dans le lot à 60 balles. J'ai dit, c'est le prix limite. Enfin, avant, c'était le prix limite du jeu. Maintenant, il a baissé vu le remaster en fait sur Switch, tout simplement. Mais franchement, je suis trop contente de l'avoir. Et puis surtout pour mon chéri, parce qu'il adore Xenoblade. Et moi, je l'avais commencé sur 3DS. Je pense qu'il est peut-être un peu plus joli sur Wii. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Et vraiment, je suis trop trop contente. Trop trop contente de ouf, quoi. Alors là, c'est pareil, c'est mon chéri, il m'a dit, putain, mais ils sont trop bien ces One Piece là, il faut que tu les fasses et tout. C'est vraiment un jeu d'aventure, c'est pas du jeu de combat. Et c'est vraiment très très cool. C'est les One Piece Ultimate Cruise. Comment Cruise? Attends, Ultimate Cruise. One, le trésor sous les flots et l'éveil d'un héros. Désolé hein, pour cette prononciation dégueulasse. Donc voilà, donc totalement complet. Alors j'ai vu qu'il a joué un petit peu pour montrer. Et c'est vrai que c'est pas trop trop mal. Et puis en plus, ils sont beaux hein, pour des jeux de Wii, honnêtement. Je trouve ça vraiment très très quali. Donc je suis très très contente de les posséder en espérant que bah, je les fasse vraiment en complet un jour. Ensuite, un petit Sonic All-Star Racing. On m'a dit qu'il était très très bien et qu'il était assez coté. Donc bah, je me suis dit pourquoi pas un petit jeu de racing sur Wii. J'ai pas grand chose, hein, d'accord. En général, on se fout toujours sur double dash. Donc ça va nous changer un petit peu la vie avec différents personnages très 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 très, très cool. Donc voilà, un petit jeu de racing, on l'a testé, c'est vraiment pas mal. Alors, ne jouez jamais avec la manette seule. Prenez la manette. Vous voyez ce que je veux dire? Pas la manette en long. Pas la... comment elle s'appelle? La Wiimote, voilà. Prenez la vraie manette, parce que la Wiimote, c'est une catastrophe. Hein. Et là, le dernier jeu de cette vidéo, hein, voilà, parce que ça fait quand même beaucoup de jeux. Nous avons... le Rayman contre les lapins, encore plus crétin. Je kiffe trop cet opus parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et je jouais avec un de mes amis, un de mes voisins il y a des années quand j'étais dans une autre maison, oh là là. Et j'ai trop kiffé, voilà, j'ai trop kiffé. Il est excellent à plusieurs à jouer, mais c'est vraiment trop trop bien. Un pur plaisir, franchement. N'hésitez pas à le prendre quand il est pas cher celui-ci, c'est trop bien à plusieurs. Enfin voilà, s'il y a que moi qui m'amuse sur ce jeu-là, bon je... bah, je me sentirais mal, hein. Mais bon, voilà. Je suis trop contente de le posséder. Ils sont tous complets. Donc dites-moi dans les commentaires si 60€, alors imaginez qu'il y avait une console et encore plus de jeux d'accessoires et de manettes. Pour moi, c'est un très très bon prix, d'accord. Donc pour la qualité de jeu, voilà. Juste le Xenoblade, de toute façon, à 60 balles. La violence. Sur ce, mes amours, j'espère que ça vous a plu, mes petites rentrées. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre le plus beau des pouces bleus, bien sûr. C'est important. Voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine.